Bonjour et bienvenue sur le site de My Teleworker. Aujourd'hui, un petit tutoriel sur un outil indispensable pour ceux qui reçoivent des informations de l'étranger et qui veulent les comprendre, Google Translate. Translate se trouve dans les applications de Google. Cliquez sur « Plus » pour le voir apparaître. Vous pouvez utiliser Translate de multiples façons. Tout d'abord, vous pouvez tout simplement taper un texte à traduire. Vous remarquerez que la phrase à traduire se trouve sur la gauche et la langue de destination se trouve à droite. À vous de configurer dans quelle langue est votre texte à traduire et dans quelle langue vous souhaitez qu'elle soit traduite. Le logiciel est cependant doté d'un système de reconnaissance de langue de départ. Vous pouvez sélectionner tout le texte grâce à cette icône. Vous pouvez coller le texte copié dans le document de votre choix. En cliquant sur les haut-parleurs, vous pouvez écouter les textes. I'm a French teleworker. I telecommute 3 days a week. No transport, no wasted time. I come now to join my family life and my professional life. Vous pouvez traduire un site web en collant tout simplement son adresse URL sur Google Translate. Tapons par exemple l'URL du blog de My Teleworker, www.monemission.fr. Le site web s'affiche dans la langue de destination, il vous suffit de cliquer sur le lien. Pour traduire un document ou un fichier PDF, cliquez sur « Importer un document à traduire ». Sélectionnez votre fichier sur votre ordinateur. Puis cliquez sur « Traduire ». Votre fichier s'affiche dans la langue choisie. Vous savez à présent utiliser Google Translate. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires à la suite de votre visionnage. Si vous êtes télétravailleur, inscrivez-vous sur notre site My Teleworker. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour être informé de la sortie de nos vidéos. Merci de votre participation. C'était Elodie de My Teleworker. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. And the little